Hey, c'est Jumsatomania. Et ouais. Voilà, le joli freeze, le joli freeze. Donc voilà, on se retrouve donc pour le 37e épisode de Pokémon Uranium. Donc dans le dernier épisode, bah, nous avions battu Curie. Eh ouais, Curie. Bonjour Atom, c'est Jean, t'es réveillé? Non. Le tout de semaine la dernière fois, ouais. Ouais, on s'en fout. Eh, merci. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode de Pokémon Uranium. Voilà. Donc, dans cet épisode, si on va faire, on va se diriger vers sans doute le championnat de Tandor. Eh oui, ouais, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui. Et qui dit 31 décembre dit réveillons du nouvel an ce soir. Voilà. Donc, là, je vous souhaite déjà une bonne année. Une bonne année 2019. Voilà. Et on va voir où on va. Oui, le championnat de Thunder. Alors, une carte, ça c'est pas mal. Centrale nucléaire Epsilon. D'où le championnat. Pas là-bas. Tunnel Cascaroc. Vinoville. Fort Légende. Chenal Mascara. Centrale nucléaire Zeta. Site du tournoi. Voilà, faut plus aller vers Fort Légende. Voilà, faut plus aller vers Fort Légende, je pense. Alors, Pokémon. Utiteuf est parfait pour voler. Alors, ça c'est. Ouais, c'est Vinoville. Allez, Utiteuf, tu veux nous accompagner? Alors, faut aller en bas. C'est ça? Alors tu peux sauter d'ici. Hop. Hop. Faut aller par ici, voilà. Il y a un super pouce. Route victoire de Thunder West. Droit devant. Et droit devant, ouais, la route victoire. 1 minute de dresseur. Une minute de dresseur ici, c'est le passage pour la route victoire. Seuls les dresseurs ayant battu les 8 champions d'arène de Tandor peuvent prétendre passer ici. Oh, ce sont des badges d'arène. Laisse-moi regarder de plus près. Le badge normal, le badge scintillant, le badge surf, le badge pixel, le badge salsa, le badge théâtre, le badge culminant et le badge zen. Félicitations, dresseur. Tu peux continuer ta route? Tu peux continuer ta route victoire. Bah, c'est la route victoire. Une hyperbole. Ah, je vais voir. Ah, il a un Pokémon Shiny. Ah. Ok, Colossinge. 41 quand même. Oula, le jeu il rame. Hein. Ah, partez sans risque. À tous les coups, faut aller par là. Un seul. Oh! Joli, joli design! Hop! Tempête de sable, ok! Grotte de la route victoire. Cage éclair, on trouve plein de CD. Ok, alors ça c'est quoi? Un co-météore. Ah oui, niveau 51 quand même. Hein. Ok, route 9. Ok, penses-tu pouvoir gérer la nouvelle puissance de feu de mes Pokémon? Ne t'inquiète pas. J'ai affronté un mec qui a des Pokémon nucléaires. Allez, go, Utiteuf! Vent violent. Il est quand même level 65 sans fait noyant. Hein. Donc il peut faire assez mal. Ah, confusion. Lance-flamme. Oui, le jeu. Oh. Vent violent. J'espère qu'il y a un mec qui nous soigne.
Pourquoi t'as raté ton vent violent? Ta-da, ta-da. On va envoyer à Zelma. Éboulement. Voilà, c'est super efficace. 3008. Flamme à garde. Oh, éboulement. Azelma, t'as pas besoin de rater une attaque. Voilà, tu vois, ça te fait mal, ça. Voilà. Hop. Ok. Toile. Ok. Éboulement. Voilà. Pure Zelma. Oh. Flamme à garde. Voilà, tu utilises éboulement, tu fais un coup critique et tu le tues. Allez, est-ce que ça va suffire? Bah non, évidemment. La peur, il ne bouge plus. Parfait. Alors déjà que j'ai très peu d'hyper potions, alors voilà, ça risque de faire assez mal, ouais. Hop, 2107, 3300. Pokémon. Hop. Béprime, voilà. La Bejouka, allez la Bejouka. Non. Putain, mais sac. Ok. Ouais, on va bouffer notre 30 hyper potions. Allez, plus de 28. Hop. Ah, il m'a pas vu. Lol. Lol, 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 lol. Voilà, allez. Ah. D'accord. Donc là, on retourne à Fort Légende. Bah là, c'est bon. Voilà, donc faut peut-être partir par là, finalement. Bah oui. On y est, après des mois d'entraînement, on est finalement arrivé à la haute victoire. T'inquiète pas, j'y suis arrivé après des mois d'entraînement aussi. 4 mois d'entraînement. Un Alpico. Waouh. Tu reviens. Le jeu est rame, hein. Allez! Blizzard. Lumino canon, allez. C'est bon, ça l'a mis KO. C'est parfait. On désole. Alerte neige. Est-ce qu'il est plus rapide, mon petit œuf? Oui, il est beaucoup plus rapide. Et est-ce que ça va le tuer? Non. Avalanche. Ok. Allez. Pilux. Éclatroc. Ça va le tuer normalement. Et oui, surtout amplement. Après avoir retrouvé son Pokémon de Fort Légende. Ok. Non. Voilà, fait coup croix. Ok. Et non, ça n'a pas tué. Utilisation. Ok.
Ok, c'est bon. C'est passé. Voilà. 5700 Poké-Dollars. Et bien sûr, les Pokémon. Allez, Solvero. Allez, go Azelma. Ok. Alors, le centre Pokémon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le centre Pokémon. Ok, il est ici. Ouf. Sauvé. Voilà. Hop. Ok, donc maintenant on peut revenir par ici pour continuer notre route. Attendez. Je ferais peut-être mieux d'acheter des repousses du coup. Pour éviter les Pokémon. La boutique, elle est où? Elle est où cette boutique? Non. Tant pis. Hein. J'irai voir une autre fois. Peut-être entre deux épisodes. Voilà. Ouh, une Pokéball. Un max repousse. Alors, ok. Oh, un Stenowatt. Ok. C'est bon, lui, il ne nous a pas vu. Un total soin. Pour arriver au tournoi Thunder, tu dois d'abord traverser la route victoire. Tu crois pouvoir y arriver dans cette... T'inquiète pas, ma vieille. Gerblitz. Je ferais peut-être mieux de changer de Pokémon. Pour envoyer... Nacheret. Ouais, il va faire Crofatal. J'allais dire Tena, mais non, c'est Crofatal. Ouais, mais c'est bon, là. Allez. Séisme. Un petit séisme, ça te fera du bien. Tu verras. 912, 66. Co-cancer. Je vais peut-être envoyer une petite œuf. Oui, je pouvais carrément l'envoyer. Hop, ça va être bon, gars. Et c'est bon. Ok. Topper fort. Oui, le jeu. Le jeu. Alors, est-ce que ça va le tuer? Alors. Mégacorne. Ça va. Hop. C'est bon. C'est passé. Voilà. On dirait que moi, j'y arriverai pas. Ne t'inquiète pas, tu peux y arriver. Azelma. Papin. 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 Hop. 20 carottes. Tu peux survivre à ma charge de 50 000 volts. Je crois que j'ai envoyé Voltali. Azelma, c'est bon, j'ai envoyé Azelma. Ça devrait le faire. Dernier recours. Ça marchera pas. Salut. Séisme. Ok. Rayon signal.
Ok. Séisme. Ok. Néopunk. Brise esprit. Ok. Ça peut être chaud. Ça peut être très très chaud. 2325. Ok. Tu as l'air bien relié au sol. Alors. Total soin. Alors, il y a de quoi. Ouais, on peut surfer. Cascade, j'ai pas de cascade. Ah, le bruit. Un mur d'eau dans un grondement puissant. Ah, ça c'est sympa. Le silence. Pourquoi cette spécialité n'est que dans un seul type? Je préfère tous les utiliser. Tu as bien raison. Dermafrost. Ah! Séisme. Est-ce que ça va suffire? C'est pas passé. Ça va encore moins passer. Allez, October. Tu as besoin de monter de niveau, toi aussi. Pour un météore. C'est bon. Papa, 2511. Duplica. Allez. Et non, c'est pas bon. Vois le miroir. Ça va pas faire très mal, hein. Ah si, quand même un peu, hein. Un peu, hein, ouais. Clonage. Lame feuille. Ah, t'auras plus assez de... Voilà, t'as plus assez de trucs. Voilà. Hop. Enfla guépard. Je change tout de suite, hein. Flamèche. Une petite flamèche, ça risque de me tuer, en effet. Ok. Ça, c'est bon. Surf. Choc brûlant. Ok. Surf. C'est super efficace. 2577. C'était juste pour du beurre. Je vais prendre la Pokéball. Un rappel. Ok. Donc là, on arrive à la grotte victoire. Grotte de la route victoire. Eh ben... C'est ici qu'on va se quitter, les gens. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Donc, dans le prochain épisode, on se fera la route victoire dans peut-être la Ligue Pokémon. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon du nouvel an. Une bonne année 2019. Et donc, on se retrouvera donc en janvier 2019. Voilà. Et oui, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Twitter également. Laissez un petit like, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez! Salut tout le monde!